Vous avez les cheveux gras et vous appréhendez la saison des fortes chaleurs? Pas de panique. Ce n'est pas une fatalité. Il existe plein de petites. Un cheveu gras est un profil capillaire avec un excès de sébum, le gras, qui s'intensifie en été. Sous l'effet de la chaleur, ce sébum devient liquide, se mélange à la transpiration et plaque la chevelure, d'où cette impression de cheveux encore plus gras. Heureusement, en adoptant une routine adéquate, il est possible de garder un cuir chevelu équilibré. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour faire toute la différence sur nos cheveux. Par exemple, on évite de les toucher trop fréquemment. Les mains, souvent sales, auront tendance à graisser davantage nos cheveux. Il est important de les laisser tranquilles. Le soir, prévoyez un coup de brosse avant d'aller dormir. Pourquoi? En plus d'éliminer les saletés extérieures, poussière, sable, la brosse va répartir l'excès de sébum resté au niveau du cuir chevelu sur l'ensemble du cheveu. Les pointes seront nourries et le cuir chevelu moins gras. Tout bénéf. C'est tout simple, mais vrai. Si en règle générale on dit d'espacer les lavages afin de réguler la production de sébum, en été c'est une autre histoire. Le rinçage quotidien est nécessaire après chaque baignade en mer ou à la piscine pour retirer le chlore ainsi que le sel. Avec la chaleur, le cuir chevelu transpire et rend le cheveu plus gras. Dès que le thermomètre grimpe, on les lave plus souvent afin de retirer le sébum histoire de repartir sur des bonnes bases. En plus, ça rafraîchit. Pourquoi s'en priver? Une fois les bons gestes adoptés, il ne reste plus qu'à trouver les produits adéquats. Et cela passe par un shampoing adapté. Un shampoing purifiant? Pas forcément et surtout pas, à chaque lavage. Ces formules sont assez fortes. À ne pas utiliser plus d'une fois par semaine. Car à trop décaper son cuir chevelu, il se rebiffe et produit encore plus de gras. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Si les lavages augmentent, on opte pour une formule au pH neutre, un shampoing doux. Il fera très bien le job sur le gras, mais sans trop de zèle. Et au moment du lavage, on se fait plaisir en se massant, avec la pulpe des doigts, pas question de se griffer, le cuir chevelu. Cela active la micro-circulation, détend et c'est trop bon.